Les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai pour votre pleine lune suite à ce Noël? On a la couronne. Donc là, la couronne, on nous parle quand même de réussite, de triomphe. Il y a aussi cette roue qui tourne aussi. Et on a encore cette pleine lune qui ressort aussi pour vous, les amis cancers. On nous parle de positionnement. On a l'arrivée en cours et la rencontre forte. Donc là, avec cette couronne, il y a quelque chose qui va être, ben, j'ai envie de te dire, couronné de succès. On a une certaine forme de réussite. On voit que la roue est en train de tourner. On voit ici l'arrivée en cours. Donc il y a quelque chose qui vient à vous peut-être pour cette pleine lune. Avec cet arbre, regarde, sur cette période de l'hiver, on a quoi? On nous parle de cette rencontre forte. Peut-être que tu rencontres quelqu'un d'autre si tu es en couple. Tu as ici aussi le fait d'avoir cette rencontre forte que tu as faite. Tu es avec quelqu'un qui a vraiment, qui est peut-être à l'opposé de toi, hein, parfois, même souvent. On vous parle de vous positionner ici par rapport à cette rencontre forte, cette relation que vous vivez qui est forte avec une autre personne. Sachez accepter le choix de l'autre et oser aussi, et oser vous aussi vous positionner, tu vois? Donc il y a quelque chose que tu dois actionner, positionner. On nous dit en tout cas que la roue tourne, que tu vas trouver ta place, que c'est en cours ici concernant cette rencontre forte. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau ici, sache te positionner par rapport à cette autre personne. Ça arrive vers toi, la roue tourne, mais pour ceux qui sont vraiment casés avec quelqu'un depuis maintenant un moment, j'ai envie de vous dire que ça reste fort entre vous. La roue tourne. Il y a des nouveaux positionnements qui vont se faire. Ça arrive à vous ici et je vais dire, vous allez réactiver cette force par rapport à ça.